J'espère que vous avez un jour de on se trouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, on va faire une petite vidéo Clash Royale tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tester des nouveaux decks tout simplement. Allez, coffre en bois, voilà, 54 heures. Allez, 3 squelettes, génial, 4 Tesla, super, coffre de merde. Voilà, on va attendre vite fait. On va faire une petite game pour attendre le coffre à couronne et après je vais le rusher. Pas tout en entier dans cette vidéo, mais je vais en faire une deuxième juste après. C'est la première fois que ça m'arrive, donc voilà. Alors qu'est-ce que je demande? Là je précise, c'est sur mon nouveau compte, je l'ai recommencé, simplement parce que je suis pas autant une grosse merde, hein. ce serait trop bizarre. Donc on va demander quoi? Qu'est-ce que je joue en ce moment? Ah oui, je joue le deck Molos, voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais demander? Non, pas sort de rage. D'ailleurs, je vais changer le sort de rage parce que c'est un pote qui me l'a mis. Mais moi, en vrai, je suis pas trop d'accord. Je vais mettre le gel plutôt. Gel, voilà. Tac. Voilà. On va parler aussi un petit peu des trucs boost spéciaux. Donc, moi, perso, je trouve que c'est un petit peu abusé. 300 gemmes pour en plus que pour 7 jours, enfin pareil pour les pièces, c'est bien, mais enfin voilà quoi. Accélérer les coffres, moi perso, parce que c'est chiant, je trouve ça chiant que vraiment le coffre en argent c'est 3 heures pour avoir cette carte quoi, c'est totalement abusé. Comme 8 heures, 23 cartes, ça sert à rien. Donc voilà, c'est parti, on va aller en game, c'est parti. Partenaire aléatoire, parce qu'il n'y a personne dans mon clan qui est là. Alors, oh, arène légendaire, stylé. Ok, donc on est avec Sachatouille. Donc il a un deck assez chelou. Oh non, il joue bombardier. Oh là là, mais qui joue bombardier en 2017 quoi? Plus on est niveau 6, c'est à cause de lui, mec. Je suis bientôt niveau 8, il doit être niveau 0, mec. Mais nul. C'était peut-être une mauvaise idée là. Ah si si, en fait c'était une bonne idée. Mais ces flèches, choix très bizarre. Enfin je trouve que c'est assez bizarre quand même. Oui, la princesse qui tombe, la sorcière qui tombe pas. Yes, je suis hyper contente. Comme ça, oh oui, ça défend parfaitement. Là, on va mettre des petites flèches. Comme ça, tac. Mais pour aimer ses flèches, je vais mettre le petit sorcier de glace avec le chevaucheur de l'autre côté qui va faire mal. Tac, voilà. Il met une boule de feu. Ah ouais, d'accord. J'avais pas compris. Là, par contre, ça va faire mal. Vite, vite, t'as quelque chose pour défendre. Pff, bon, c'est pas grave. Ok. Voilà, la horde qui va être parfait. Voilà. Défends. Mettons. Oh là là, il met même pas son jambon beurre. Il est sérieux. Allez, mettons jambon beurre. Ah oui, il l'a utilisé. Ah non. La sorcière qui sert à rien contre la Valkyrie. Parce que la Valkyrie qui fait totalement taf face à la sorcière. Je vais mettre le petit sorcier. Tac. Voilà. Je vais mettre la sorcière. Non. Je vais attendre pour le molos. On va mettre un petit molos dans l'angle. Ah bah plus maintenant. Ouais, le baby dragon qui est géré. Dommage que la sorcière est bientôt morte. Oh, le poison qui est fail. Ah non, il touche le sorcier, le poison. Mais bon, ça fait un 3 étoiles. C'est cool. Donc voilà. voilà. Je sais pas quel coffre on va gagner. J'ai pas eu le temps de voir Stade Royal. Ça fait au moins un mois que j'ai pas vu. Alors, coffre on a super. Je sais pas combien de temps de vidéo. 4 minutes 26, ok. Donc c'est nice. Donc on a le coffre à couronne. Donc j'ai toujours pas demandé des cartes. Je vais demander quoi? Le sorcier, j'ai que niveau 4. C'est parti. Je viens de l'avoir il y a pas longtemps. D'ailleurs, je suis en arène 5 déjà. Oui, il y en a qui me disent ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à monter un trophée. Donc je vous conseille un deck. Forcément, si vous avez pas le molos, vous pouvez pas le faire. Ah, il joue chevaucheur, c'est cool. J'aime bien les gens qui jouent chevaucheur. Donc là, on va mettre gel.
Ok, non, ça sert à rien. Génial. Là, je pense qu'on va mettre un petit gel juste après. Hop là, gel. Voilà, le gel qui est parfait. Génial. Je suis content. J'ai plutôt bien joué le gel quand même. Voilà, donc là, ils ont dépensé de l'élixir, beaucoup, beaucoup d'élixir. Donc voilà, je vais mettre mon chevaucheur de l'autre côté qui va faire mal. Évidemment, j'ai pas envie que le sorcier tape quand même, parce qu'il peut faire mal. Voilà, donc le sorcier qui est totalement rentable. Oh, en plus, il met son ballon. Oh non, le foudre, oh non, ça fait mal. Oh oui, bien joué, il avait encore de l'élixir. Oh non, il a tapé le ballon. Le ballon a tapé, dommage. Les flèches qui servent pas à grand chose quand même. Bon, ça va quand même. Vu que nous on a une tour qui a 870 de vie et eux, une à 870 aussi et une à 1400 et quelques. Donc voilà, totalement rentable. Donc là, je vais mettre la sorcière. Donc là, c'était pas forcément une bonne idée ce qu'ils ont fait de jouer le baby dragon. J'ai hésité entre le gel et les trucs. Ok, nice. C'est nice. C'est vachement nice. On a vachement bien défendu, je trouve. Tout même pour un deck PK. Je vais contrer de l'autre côté. C'est parti avec un Timolos. Ah, le sorcier qui va faire vraiment le taf. Vraiment, ça va faire hyper mal. Oh, sorcière. Oh, la sorcière qui tape. Oh non, elle a pas tué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire de bien beau? J'ai rien pour défendre le sorcier. Oula, 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 oula. C'est bon, c'est bon. Oh, le dixième ballon qui sert. Oh, plus il loupe ses flèches. Nice. Nice tout ça. Oh non! Ils ont pas pris la tour parce que je mets mes flèches. Ils vont même pas prendre la tour de toute façon. Je mets mes flèches et le chevaucheur de l'autre côté. C'est parti. Oh. Gel. Vite, gel. Oh, voilà, parfait. Le gel qui est vachement épais, je trouve. Vite. Moi, je vais prendre la tour de l'autre côté, là. Oh non. Dommage pour le coffre à couronne, mais bon, on a quand même gagné. Oh oui, allez, allez. Non, putain, ça va. Putain, dommage. Putain, je suis deg. Bon, ils ont quand même bien joué. Non, pas de revanche. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour moi. Ah, on a reçu un sorcier, c'est cool. Mais un, c'est passé. On est 1 sur 20, super, génial. Donc on va gérer un petit coffre en argent, un spécial, je présume, 38 heures. 6 flèches. Un chevaucheur, oh nice. Je l'aime bien le chevaucheur. Je le joue, en plus je peux le passer niveau 6, mais j'ai pas assez d'or. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi j'aimerais bien améliorer aussi, où il est, voilà, le poison, parce que je l'aime bien. Et j'en ai 17 sur 4, donc c'est hyper, hyper cool. Donc voilà. J'ai aussi deux légendaires. Le sorcier de glace, je pense que vous savez comment je l'ai eu, parce que j'ai fait une vidéo comment je l'ai eu, dans un super coffre magique. Voilà. Je vais vous montrer peut-être le petit screenshot après. Et le molos dans un coffre magique, tout simplement. Donc, perso, entre les deux, j'hésite lequel est le meilleur. Je les aime tous les deux. Voilà, tac. Donc, je vais vous montrer le petit screenshot. Voilà. Donc, on va dans galerie. Elle est où la galerie? Voilà, galerie. Merde. Galerie. Donc, voilà. Et là, c'est le sorcier de glace. Voilà, j'étais vachement content quand même. Carte légendaire et tout, je vais débloquer et tout. J'ai pris 10 screenshots, mais après j'ai supprimé la plupart d'eux. Aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram. Voilà, tout simplement. Donc, voilà mon Instagram. Donc, je poste des vidéos un peu de tout. J'ai déjà pas mal d'abonnés parce que je l'ai créé il y a vraiment pas longtemps. Tac, voilà.
Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 217 abonnés. C'est pas mal quand même. Alors que sur ma chaîne, ça cartonne pas beaucoup. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et si tu kiffes, à la partager. Donc, on se retrouve juste après pour le rush du coffre à couronne. À tout de suite.